Bonjour mes amis, aujourd'hui nous allons essayer de voir comment les États-Unis, à mon avis depuis 1991, n'ont cessé de s'étendre dans le monde. Pourquoi 1991 ? Ben 1991 a été, en tout cas pour les Occidentaux, la première guerre d'Irak. En fait, ça ne l'était pas. La première et terrible première guerre d'Irak a été la guerre Iran-Irak. La guerre Iran-Irak sponsorisée par l'Occident. Sponsorisée par l'Occident. En effet, Saddam Hussein avait été aidé en armes, en munitions et bien entendu en argent. Mais, chose étrange, le Pentagone, donc les États-Unis, ont aidé également l'Iran dans cette histoire. Un épisode complètement effrayant et incroyable. Donc, alors, nous allons partir, nous, de 1991, date, où une coalition attaque l'Irak. Bon, eh bien écoutez, bon visionnage. Et à bientôt sur ma nouvelle chaîne. Alors donc, l'Irak est extrêmement affaibli après sa guerre absolument horrible contre l'Iran. Et pourtant, on dit encore que l'Irak est la quatrième puissance militaire au monde. Alors, n'oubliez pas, cette guerre a été encouragée, même soutenue, par les nations occidentales, par les États-Unis, par la France, et par, évidemment, tous les pays du Golfe. Afin de financer sa guerre contre l'Iran, l'Irak de Saddam Hussein s'est endetté massivement auprès du Koweït et de l'Arabie Saoudite. Accusant les monarchies de s'être indûment enrichies et de dépasser des quotas de production de pétrole fixés par l'OPEP, l'Irak exige l'annulation de ses dettes et menace de représailles en cas de refus. L'Irak dit pouvoir envahir le Koweït. En envahissant le Koweït, Saddam Hussein n'avait qu'un seul but, ne pas payer sa dette envers le Koweït et l'Arabie Saoudite. Mal lui en a pris. En effet, il commet une énorme erreur. Le 2 août, Washington fait appel à l'Organisation des Nations Unies. Le Conseil de sécurité adopte une résolution demandant le retrait immédiat des troupes irakiennes du Koweït. Dans le même temps, les Américains envoient des troupes en Arabie Saoudite. C'est le début de Bouclier du désert. Bouclier du désert, vous y verrez donc un lien dans la description. J'ai déjà
fait un récit sur cette opération. Gorbatchev, qui est encore à la tête de l'URSS, essaye d'approcher Saddam Hussein. Mais l'URSS n'a plus la force ni la volonté d'imposer au Conseil de sécurité une motion. L'URSS est finie et elle est à genoux. Après la chute du mur de Berlin, c'est fini. Alors quant aux Français, ils n'oublient pas eux aussi qu'ils ont soutenu le dictateur irakien. Mais l'intransigeance de Saddam Hussein les pousse à soutenir Washington. Alors, quand même, une chose à remarquer, c'est que le ministre de la Défense français de l'époque démissionne. Il dit à ce moment-là, c'est une erreur d'aller avec les Américains. Il ne faut pas le faire. Alors, un ultimatum est lancé. Il finit le 15 janvier 1991, à minuit. Si Saddam, à ce moment-là, n'a pas retiré ses troupes, l'offensive de la coalition pourra commencer. François Mitterrand tente de sauver la paix, mais pour Saddam Hussein, ses 5000 blindés et ses 700 000 fantassins, le Koweït est la 19e province de l'Irak. À 20h, François Mitterrand s'adresse aux Français. Depuis ce matin, la crise internationale est entrée dans une phase décisive. Depuis ce matin, le délai accordé par les Nations Unies à la réflexion et autant que possible au dialogue entre ceux qui pouvaient infléchir le destin est maintenant dépassé. Sauf événement imprévu, donc improbable, les armes vont parler. 17 janvier, Arabie Saoudite, base aérienne de Dharan. À 1h40, heure locale, c'est la première mission sur l'Irak. Les pilotes allument les turbines de leurs chasseurs-bombardiers F-15, F-16 et Tornado. Sous ses ailes, chaque appareil emporte plus de 12 tonnes de bombes. Les cibles ont été soigneusement repérées. Outre le palais présidentiel de Saddam, les centrales nucléaires, les usines chimiques, les centres de communication et les sites de lancement de missiles Scud. Objectifs qui, pour la plupart, sont concentrés sur Bagdad et sa banlieue. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1. 2 heures. Au large des côtes irakiennes, la flotte US lance des salves de missiles de croisière, les fameux Tomahawks. J'ai une communication du président à vous transmettre. La libération du Koweït a commencé. 2h40, à Bagdad, les batteries anti-aériennes déclenchent un feu d'enfer. C'est la panique. Les bombes à guidage laser larguées par les bombardiers US atteignent leur cible avec une précision qualifiée de chirurgicale. Un pilote US de retour de mission témoigne. C'était l'une des démonstrations de feux d'artifice les plus étonnantes depuis les fêtes du 4 juillet, il y a des années et des années. C'était fantastique, Bagdad était illuminé comme un arbre de Noël. L'opération Tempête du désert est en marche et rien ne pourra l'arrêter. Saddam nous a entraînés dans la guerre, nous irons jusqu'au bout et nous gagnerons. Notre stratégie à l'égard de l'armée irakienne au Koweït est simple, nous allons la couper puis nous allons la tuer.
djihad, la guerre sainte. Dans tout le Maghreb, l'annonce du déclenchement de l'opération Tempête du désert soulève l'indignation et la fureur. En Algérie, des centaines de volontaires se présentent pour lutter aux côtés de Saddam Hussein. La haine de l'Occident monte. Les forces aériennes françaises relèvent maintenant du commandement américain. Leur rôle est bien défini, bombarder à l'aube la base aérienne d'Al-Jaber au Koweït. Pour cette première mission française, 12 Jaguars sont armés. Des missiles à guidage laser et des bombes de 250 kg sont fixées sous les ailes. Heures. Dernier briefing. Le plan d'attaque a été minutieusement étudié. Chaque pilote connaît sa cible avec exactitude. Savent qu'ils auront affaire à une défense anti-aérienne importante. L'attaque se fera à basse altitude. Avant de décoller, chaque pilote vérifie lui-même son avion. Aussi. 18 janvier, Khafji, sur la frontière koweïto-saoudienne. Depuis la veille au matin, la ville est abandonnée. Cible de l'artillerie irakienne, la grande raffinerie est en flammes. Dans les rues désertes, des Marines US patrouillent. Les bombardements alliés continuent avec la même intensité sur l'Irak et le Koweït. Tirs quotidiens de Tomahawks pour l'US Navy et plus de 2000 sorties par jour pour les avions de combat de la coalition. C'est au total 1400 avions de combat US du B-52 au F-117A invisible qui décollent de 30 bases en Arabie Saoudite, aux Émirats, en Égypte, en Turquie, à Chypre, dans l'océan Indien et de 6 porte-avions en mer Rouge et dans le Golfe. 10 000 tonnes de bombes toutes les 24 heures, l'équivalent de ce que les Allemands recevaient en 15 jours durant la Seconde Guerre mondiale. La dernière offensive sera pour les premières lignes de défense irakiennes avant l'assaut terrestre. Hein ?
La coalition, c'est aussi les petits contingents, comme celui du Qatar. Ces hommes viennent d'un émirat du Golfe. Ils sont aujourd'hui stationnés à quelques kilomètres de la ville de Khafji, point de mire de l'artillerie irakienne depuis le début des hostilités. L'état-major des forces alliées a prévu de les engager aux côtés des Saoudiens dans les premiers combats terrestres. Politiquement, c'est aux forces arabes d'intervenir en premier. Les blindés saoudiens encerclent les positions irakiennes appuyées par les hélicoptères de combat américains. Ils ont pour mission de détruire les T-55 irakiens. Avec le soutien des Américains, il faudra plus de 48 heures pour reprendre la ville. Alors le 27 février, Kuwait City est libérée. Alors libérée par qui? Par quelques troupes qui sont envoyées en avant. Ce sont des troupes koweïtiennes qui sont envoyées avant le reste des troupes qui est derrière. Mais Bagdad, à ce moment-là, accepte de se soumettre à la résolution 660 de l'ONU. Et le président Bush annonce devant les caméras que 100 heures après le début des opérations, 100 heures, et 6 semaines après celui des opérations aériennes, sans déterminer, de l'armée de Saddam. Le bilan est spectaculaire et en même temps très lourd. L'Irak a perdu 3847 chars, 1450 véhicules légers, 2917 pièces d'artillerie. Le nombre d'hommes, le nombre de pertes humaines n'est pas identifiable. Il reste à ce moment-là 60 000 prisonniers dans les mains de la coalition, 60 000 prisonniers irakiens. Du côté allié, on déplore beaucoup moins de 200 morts. Ces 200 morts sont surtout le fait d'erreurs de bombardement alliés. Et de 400 blessés. Mais alors attendez, ce que n'ont pas raconté les médias américains comme CNN, c'est cette boucherie, car à la sortie du Koweït, quand les troupes irakiennes fuyaient le Koweït, quand les troupes irakiennes se précipitaient du Koweït en Irak via une autoroute, les avions américains ont strafé les longues files de gens, de civils, de militaires qui se pressaient en dehors du Koweït pour fuir le Koweït vers l'Irak. On a appelé cette autoroute l'autoroute de la mort, et ce n'est pas pour rien. On a dénombré entre 2 et 3 000 morts. Pourquoi? Il n'y avait plus de danger, il n'y avait plus rien. C'est un crime de guerre. Cette action de l'armée américaine, Et pour moi en tout cas, peut ressembler vraiment à un crime de guerre. Et puis voilà, avec cette guerre d'Irak, il y a quelque chose où nous sommes tombés, c'est dans l'hyper-médiatisation de la guerre. L'hyper-médiatisation de la guerre qu'on avait connue au Vietnam,
mais l'hypermédiatisation de la guerre contrôlée. Contrôlée. C'est une guerre spectacle avec des images triées sur le volet. C'est une guerre politiquement correcte. Là, la propagande bat son plein. J'espère que ce sujet vous a intéressé. À bientôt sur ma chaîne. N'oubliez pas, c'est très, très important. Abonnez-vous. Allez, au revoir. Salut.